vous voulez un débat le plus restreint possible. Même vos collègues qui avaient des amendements, c'est la secte Jones des amendements, ils se suicident tous. Et quand on a un amendement qui porte sur la question des bonifications pour les agents de la fonction publique ou des majorations de durée d'assurance pour les femmes du secteur privé, même pas celui-là, vous voulez qu'on le discute, même pas celui-là, un 8 mars, mais vous vous rendez compte ce que vous faites? Mais c'est une honte! C'est plus l'application du règlement. C'est une volonté délibérée de faire taire l'opposition par tous les moyens, y compris sur les sujets, parce que la personne va venir nous expliquer qu'on est hors sujet, que c'est contradictoire, qu'on ne peut pas en parler. Et tout à l'heure, sur les amendements de M. Savary, on aura le droit de s'exprimer ou comment on fait? On fait un mot au président. Monsieur le président, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si on aura le droit de s'exprimer? Je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est ça l'idée? C'est de nous humilier en plus? Mais ce n'est pas nous que vous humiliez, c'est les femmes, toutes les femmes. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur